surtout pour The Ascent of the Crafting Dead, sur le modpack de Minecraft Craft for Life de Nisoka Productions, un modpack absolument incroyable qui modifie absolument toute la survie du jeu, et vous allez voir qu'ensemble on va vivre une véritable aventure. Je fais ça parce que je suis comme vous en confinement et que j'en profite puisque du coup je suis chez moi et donc je peux me permettre de faire enfin quelques vidéos. Donc ce sera une série, je ne sais pas si elle sera longue, si elle ne sera pas longue, je ne sais pas du tout comment cela va se passer. Normalement, j'espère que tout se passera bien. Nous sommes en hardcore, ça veut dire que je n'ai qu'une vie. Et nous allons devoir aller suivre le... Je crois que c'est le... Alors là, j'ai fait une photo. Nous allons devoir suivre... le nord, voilà, jusqu'au nord. Et nous retrouverons un bunker, normalement. Pour rejoindre les survivants. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu décoré mon premier tour, un peu comme finalement une sorte d'émission télé, et je me suis un petit peu mis sous les airs, et on va partir, on va survoler. Alors là, vous voyez, donc ça c'est un inventaire que je ne cacherai pas, parce qu'il va me permettre en fait de voir les crafts, et ça va être très important parce qu'il y a des crafts qui ont été modifiés en fait. La survie n'est plus du tout la même. Je me suis un peu des zones ISO, je sais pas, des zones ISO cas si vraiment tu penses que c'est de la triche ou pas, mais je me suis un peu spoilé les mods quand même pour pas que je sois un peu trop perdu. Je me suis permis quand même de commencer avec quelques mandages et quelques machins, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même qu'une vie. Et il faut savoir aussi que tout ça, cet inventaire là est interdit, puisque techniquement nous allons devoir nous crafter un backpack, en fait un sac à dos, pour pouvoir avoir nous permettre de stocker plus de choses. Donc on est vraiment sous une aventure ultra hardcore. Vous allez voir que les zombies, c'est un peu complexe. Voilà. Bref, ça va être très très dur, mais je pense que je vais y arriver. Et c'est parti, je me lance à l'ascension. C'est parti. Waouh. Ah, mais c'est que j'ai une boussole. J'ai une boussole. Je sais pas pourquoi j'ai une boussole qui apparaît devant moi là d'un coup. Alors, je ne sais pas où je vais aller. Il faut savoir qu'il y a aussi, donc il y a plein de modes. Il y a. Je sais plus lesquels. Je retiens pas les noms des modes. En tout cas, on a un mode environnemental, on a un mode, comme vous voyez, en bas à droite, une jauge de sang. On a aussi un mode qui nous permet de voir notre état corporel. Il va falloir gérer plein de paramètres de survie. Faut savoir que le mode pack est tout frais, donc bah, peut-être que Nisoka va ajouter des modifications que j'ajouterai quand même au jeu. Hein. Moi, j'ajouterai aussi de mon côté des modifications pour que ce soit un peu plus fun. Peut-être, je ne sais pas, j'ai fait quelques modifications déjà, j'ai ajouté quelques modes pour créer quelque chose qui soit un peu plus sympatoche pour vous à regarder. J'espère en tout cas que cette aventure vous plaira. On sera ensemble pendant ce confinement impressionnant. Voilà, le monde après le Covid-19, c'est très marrant. Bref, c'est parti. Oh, il y a des chèvres, il y a des animaux, c'est trop bien. En tout cas, c'est le gameplay du parachute est très très satisfaisant. Hein. Je vous avoue que franchement, c'est vraiment cool. C'est ultra satisfaisant. On peut faire des tours et tout. C'est génial. Alors on va faire une aventure ensemble. On va bien s'amuser normalement. J'espère en tout cas. Franchement, moi, je suis surexcité sur ce modpack. J'avais très envie de. Oh là là, il y a putain. Super génial. Quelle bonne idée. C'est génial. Ouais. Ouh. Trop bien. Dans la mer et en plus de. Ouais, ça commence déjà là. Ça commence déjà et je me chie déjà bien dessus. Alors, du coup, en fait, la première chose qu'il va falloir faire, c'est couper des branches. Oh. C'est déjà la merde. C'est déjà le bordel. Donc, bon. Oh là là. On m'avait pas prévenu de ça, n'empêche que c'était à ce point-là. Alors, j'ai déjà fait une partie quand même, un petit peu. Voilà. Putain, j'ai pas réussi à choper le bâton. Oui, aussi la prise des inventaires est pas la même. Putain. Je me permets quand même, oui, effectivement, d'avoir un couteau, c'est un peu de cheat, mais ça craint vraiment le fait qu'on n'ait pas de stack. Il va vraiment falloir que je gère un peu tout ce qu'il y a à gérer. Alors, je vais juste casser un arbre, du coup. Enfin, je vais quand même faire des sticks. Parce que du coup, il va me falloir aussi du flint. Je vais prendre. Voilà, j'essaie de prendre le plus de sticks possible. En attendant, je vais vraiment me concentrer en fait sur qu'est-ce que je dois faire.
Sur déjà, en fait, je suis con, j'aurais dû aller directement au nord, je suis complètement débile. Ça m'aurait fait moins de chemin. Alors, est-ce que je me le gérerai? Putain, merde. Ça prend déjà, hein. Mais ça va, je gère un petit peu. Je sais que des fois il peut y avoir une horde de zombies, hein. Je sais qu'ils peuvent être 40 ou 50, j'en ai déjà vu. Alors je sais que c'est possible. Alors je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais je sais que dans ma partie test, il y en avait quand même pas mal à un moment donné. J'espère que tout va bien se passer. C'est un peu stressant pour moi, je vous avoue que j'ai jamais fait de partie commentée comme ça. Et il pleut, mais tout est magnifique. Tout est magnifique, tout est beau quoi. Putain, il va falloir que je change, mais... Ah là là, il va falloir faire des choix là, parce que je vais pas pouvoir... Déjà, je vais jeter mon parachute, il me sert plus à rien maintenant. Il me sert vraiment plus à rien. Alors du coup, je vais prendre le silex. Ah putain, c'est du charbon, je m'en fous du charbon. Hop là. Et oui, en fait, il va falloir se baisser, en fait, pour pouvoir prendre les items maintenant. Enfin voilà, c'est vraiment une survie totalement défendue. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'aventure, les choses vont se corser pour moi. Le but étant évidemment d'aller au nord et de sauver tous ces gens, un peu comme The Crafting Dead de GusDX pour ceux qui se souviennent. Un peu différent cette fois-ci, puisqu'il y a un côté beaucoup plus survival. Alors, ouais, ça je crois que c'est ça qui me donne du fin. Attends, on est d'accord. Ouais, génial, super. Alors on peut se faire déjà les premiers outils. Je sais plus du tout comment on fait les premiers outils. Je sais qu'on pouvait faire une hache. Je crois qu'en fait c'est comme ça en fait. Il faut faire deux fintes ou une connerie dans le genre. Voilà, ça fait un fint comme ça. Et en fait, non, ça je m'en fous. Je vais laisser tomber les bouts de bois. On a... Oh, mais c'est pas grave. Laisser tomber mon couteau aussi. De toute façon, il disparaîtra pas. Et il me semble que c'est comme ça. Comme ça, j'ai plus. Ah voilà, là je me suis fait une pioche, mais en fait j'aimerais bien me faire une hache en fait, surtout ça, peut-être comme ça. Non, ça fait un briquet, ça fait un briquet, ça fait une mini épée, peut-être comme ça. Non, peut-être comme ça. Ah, je sais plus, c'est terrible. C'est terrible, je ne sais plus. Je sais faire une pioche, mais j'ai plus faire. Attends, flint pick. Si je vais dans flint, bon, je sais. Ah putain, je suis vraiment trop bête quoi. Ok. C'est pas grave. C'est le premier fail. C'est pas un problème. Ça taunt déjà. Est-ce que les zombies sont loin? Ça va, les zombies sont assez loin. Je vais essayer de passer ces passages un peu relous. Je fais du craft parce que c'est vraiment pas intéressant. Ok. Et c'est le bordel. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout ma jauge de température. Faut savoir que la température corporelle ne pardonne pas. Et l'eau non plus d'ailleurs. Alors je filtre l'eau aussi. Mais il y aura plein de paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas une survie basique. Alors du coup, en plus, je n'ai même pas de torche. Il va falloir que je crée un briquet aussi, du coup. En fait, c'était pas du tout ça que je voulais créer, mais c'est pas grave. Voilà. Je voulais créer un briquet, pourquoi? Pour des torches, du coup. Parce qu'effectivement, en fait, si vous voulez, les torches ne sont plus pareilles. C'est où ça? Putain, on n'y voit rien. On n'y voit rien, mais je vais trouver un moyen de trouver du charbon. Voilà, merci. Je vais prendre mes bâtons aussi parce que... Oh la chatte. Oh là 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 là, ça pue déjà quoi. C'est vraiment... C'est déjà bien le bordel. Voilà. Enfin, on voit un petit peu ce qui se passe. Il y a toujours mon couteau au fond. Je vais jeter un petit peu. Voilà, je vais faire un peu mon coin. Je suis en train un peu d'éparpiller tous mes objets parce que effectivement ça demande un petit temps de... d'adaptation. Et puis là je vais creuser parce que trouver du flint, trouver du bois. Ce qui serait cool, c'est qu'aussi j'ai des villages aussi, hein, qui peuvent apparaître avec des personnes
Oui, ce serait... Oui, c'est bien. Et oui, effectivement, savez-vous que dans les villages, il y a des personnes. Je suis vraiment nul en commentaire, moi. Et ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéos. J'espère en tout cas que pour vous, vous passez un bon moment, même si je galère de ouf. Bon, regardez-moi ça, mais c'est... Franchement, c'est... ma vie se résume à cette image. Ça n'a pas de sens. Ma vie, c'est le bordel. C'est trop marrant. Bref, je suis bête. Et c'est parfait. C'est génial. Surtout qu'il peut y avoir des surprises. Hein. On pourra croiser certainement aussi des fantômes dans cette aventure. Hein. Je ne vous en dis pas plus. Les choses... Ah mais non, mais c'est là, en fait. C'est ça qui me fout. Putain. En fait, je rate des trucs parce que, du coup, en fait, c'est pas de la dirt. C'est ces trucs-là qui me font... Ça me fait du flint, ils m'en foutent. Ah, mais oui, mais en fait, c'est tout ça. En fait, je suis tellement, en fait, stressé. Parce que je me dis que c'est vraiment dur, que j'ai fait n'importe quoi. Ok, c'est bon. On commence à avoir des trucs intéressants. Je vais très vite aller me chercher du bois. Même si il fait nuit et que c'est vraiment pas la bonne idée. Ça va mettre 4 heures. Je vais un peu attendre parce que de toute façon j'ai que ça à foutre. On va casser ça et puis j'aimerais bien partir en fait directement, je t'avouerai. Au vu de ce qui se passe. Et je te tutoie évidemment, celui qui regarde ça. Tiens, je vais te tutoyer comme ça. Ce sera parfait. Je tutoie mon public, je tutoie cette personne qui est derrière son ordi et qui me regarde. Je dis n'importe quoi, je suis pas concentré du tout, je suis fatigué. J'en ai déjà marre, j'en peux plus. Je suis déjà au bord du gouffre, je n'arrive pas à me concentrer. En fait, c'est surtout que j'appréhende ce qui va se passer et je me dis, mais imagine-toi, je meurs d'ici... d'ici maintenant, quoi, ça n'a pas de sens de... Je me donne du mal, je me fais du mal, cette aventure, je me fais du mal pour rien en plus, hein, parce que ça me fait peur, tout ça me fait peur. Allez, les premiers commentaires, ça faisait longtemps que je vous ai pas retrouvé. Cette pluie me donne envie de philosopher sur la vie et sur les conséquences de ma misérable vie. Trop marrant, putain. Bon, alors, hop là, on va faire un petit coffre, on va s'amuser. Et je ne sais pas l'ouvrir. Et franchement, c'est génial. Moi, je trouve franchement que je me débrouille comme un petit chef. Enfin, vraiment, je me débrouille vraiment bien. Je vais essayer de ternir mon personnage. Et là. Oh là là, mais bien sûr, évidemment, quel bonheur. Oui, parce qu'ils sont attirés par les torches, hein, faut savoir. Putain. Ils sont devenus plus intelligents. Ah putain, voilà, c'est ça que je redoutais. Et ça, ça fait chier. Et ça, ça fait vraiment chier. Ça. Non mais j'aurais jamais pu survivre. Je m'étais dit, tu sais, au début de l'aventure, ouais, mais bon... Ce qui fait de la viande, c'est quand même un peu triché, mais mon fion, quoi, vraiment. C'est pas du tout vrai. Oh là là, j'ai ça pendant 4 minutes, quoi. Mais ça, vous allez vous taper ça pendant 4 minutes, vraiment navré. J'espère que pour vous, en tout cas, vous passez une excellente journée, une bonne soirée. Je vais aller me faire une pioche en pierre, je sais pas si j'arrive à faire ce que je veux, parce que avec ce flou là, ça va être compliqué. Je suis déjà mais détruit, quoi. Allez, allez, un peu de courage, un peu de force. Allez, vraiment, premier épisode, première morsure. Et si c'est pas un gars qui maîtrise ça, ça je sais pas qui c'est, quoi. Je te jure. Tout ça m'arrête, j'ai fait tellement d'erreurs, dans l'espace de... Et ça taunt de ouf. C'est pas trop bien, genre. Enfin. Enfin. Ça dure pas un peu plus longtemps, les cassages de briques? Je trouve, hein. Vraiment, je trouve que ça dure vachement plus longtemps. À moins que ce soit moi qui soit fou. Mais j'ai vraiment l'impression que ça dure plus longtemps, quoi.
casser tout ça. Voilà, alors ça c'est le moment un peu chiant parce que bah, il va falloir miner. Et je t'avoue que j'aimerais bien trouver une grotte. J'ai déjà soif. Et c'est déjà la mort en fait, du coup. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment déjà le bordel. Je suis déjà. Ouais, bah je crois que c'est fini, hein. Allez, 2 minutes 40 comme ça. En fait, le souci, c'est que j'arrive pas à savoir ce que je fais, quoi. Parce que j'aimerais bien sortir, et en même temps, je me dis, si je sors... Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va sortir. Je vais prendre mon couteau. Et je vais prendre aussi mes bottles. Je vais prendre ma viande si j'en ai encore. Bah, j'en ai encore. Je vais prendre mon bois. Surtout, je vais prendre mon bois. Et je prends ma table de craft aussi. Et on va sortir parce qu'en vrai, ça sert à rien de rester là, même si je suis, malade. Allez, c'est parti. On ne voit absolument rien. C'est magnifique. Allez, on part. On court en pleine nuit. C'est tellement épique, cette sensation. Il n'y a aucun zombie à l'oiseau, c'est parfait. Alors je pars au nord normalement, c'est ça le but. Plus le jour se lève, donc c'est parfait. Je vais un peu m'avancer quand même. C'est quand même le but. Ah là là, les feuillages et tout. C'est quand même assez spécial maintenant de passer à travers le feuillage, regardez. Ce sont des petites mouches. C'est magnifique. C'est génial, il a tout pensé. On arrive dans un biome neige. Dégueulasse. Cet arbre vole. Hop là. Pas du tout roleplay. Pas très roleplay tout ça. C'est déjà en un épisode, mais qu'est-ce que j'ai fait à ton avis, vraiment? J'ai mangé et après j'ai plus d'eau déjà. C'est la fin, je vais mourir. Je bois de l'eau un peu à chier, mais vraiment là j'ai vraiment besoin de boire. On arrive. C'est bon, je renvoie un peu la vie. J'espère juste que je vais pas en crever parce que il est hors de question que j'ai peur. En tout cas que je sois encore infecté une troisième fois. Parce que c'est déjà bien drôle. Ah enfin. Ça y est, c'est bon, ça revient, tout revient à la normale, c'est parfait. On va courir un peu. Encore des zombies à côté. Oulala. Oh là là. Ça m'a fait peur celle-là, putain. Oh, j'ai eu un sursaut. Oh là là, j'ai eu un sursaut là. Ouh, j'ai eu un peu chaud. Ça va, tout va bien. Oh là là, non, c'est pas vrai, je vais en tout traverser. Quel bonheur. Je peux pas le faire, en plus je peux même pas le faire à la nage, quoi. À moins que j'aille en haut de cette colline. Évidemment, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille vite en haut de cette colline. Vite, allez, dépêche-toi. Allez. Move your eyes, comme disent les Américains, je sais pas, je serai pas toujours comme ça, hein. Je vous assure vraiment, je serai pas toujours fou. Je vais essayer de me calmer, mais j'ai juste hyper peur de mourir en fait. Mais en fait, si je vais dans l'eau, je vais mourir de froid. Sinon, si c'est bien fait. Attention, hein, les zombies. Super relou, tu sais. Qui demande. Fais gaffe, hein. Je vais tester tout ton mot de passe, on va rendre au recoin et tout. J'espère que tu l'as bien configuré, quoi. Tu t'es fait passer 4 heures à bien configurer ton modpack. Mais bon, normalement, si c'est bien fait, je devrais ressentir des.
Ah, il y a des poissons là, je pourrais tuer des poissons. Mais j'ai plus de place à mon inventaire déjà. Putain, si je croise des vaches, je te jure, je les bute direct quoi. Parce que ça, ça me permet de faire un backpack. Et c'est déjà la galère. Mais comment il fait en fait? Je me demande, est-ce qu'il a vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de vivre de ça? Oh, mais regarde! Y a pas du. Putain, j'ai cru voir du fer. Mais non, mais vraiment quoi. J'ai vraiment cru voir du fer. J'ai un peu raté, finalement. Allez, on va monter la montagne. La montagne. La montagne de neige. Peut-être que j'arrive pas à monter la montagne. Eh ben dis donc. Alors on fiche le bois, on a vraiment là. Ah ouais, le gars de Beast of Line. Est-ce que je rentre dans cette grotte? Oh ouais, y'a quelqu'un? Bon, allez, quand il faut, il faut. Hein. Bon, je n'ai pas de charcoal. Ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais aller emmener. Oh l'enfoiré, il a enlevé les crafts de. Putain, il a enlevé les crafts de. Oh là là. T'en peux casser la roche à main nue comme ça? D'accord. Ok. À main nue, tu peux casser la roche. D'accord. Alors, bon, du coup. Juste. Ah, c'est quoi? J'ai la chine. Non, c'est bon, j'ai toujours mes deux bouteilles. Malheureusement, en fait, elles, avec le mode, elles sont pas stackables. Faudrait que j'arrive à avoir un moyen de rafraîchir très vite, en fait, mes bouteilles. Ah là 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 là. Je crois qu'il y a un zombie pas loin là. En fait, j'ai hyper peur qu'il me tombe dessus. Est-ce que si je me mets, je me demande si Nizuka a configuré le fait que si on se met en sneaky, est-ce qu'il nous chope ou pas quoi. C'est tout ça le truc. Mais j'espère que oui. Parce que sinon, ça craint. Et c'est pas genre l'aventure la plus nulle que vous ayez jamais vue. Genre, vraiment. C'est le mec, il est pas organisé et il dit absolument n'importe quoi. Je trouve que c'est une bonne survie. Ce que je propose à mes abonnés est d'une qualité absolument impressionnante. Enfin, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous ennuyez pas trop au confinement. Cette série est fait court. Enfin, j'espère. Mec, super pessimiste quoi. Oh là là, mon dieu. Et j'ai pas de bois. Et je... Bon, bah écoute, je vais hiberner dans cette grotte jusqu'à ce qu'on découvre mon cadavre. Bon. Je regarde juste l'heure d'enregistrement, parce que c'est quand même très comique. 20h33, qu'est-ce qu'il... Quoi? J'avais demandé genre 20 minutes, pas 20h33. Ah, mais j'ai le truc. Mais putain, mais c'est qu'il est 20... C'est que j'ai fait 23 du coup, en fait. En fait, c'est déjà la fin de l'épisode. Du coup... Bon, alors bon bah... Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode absolument incroyable. J'espère. J'espère en tout cas que vous avez passé... un bon moment en ma compagnie, et puis vous espère vous retrouver bientôt. Voilà, au revoir à vous.